Salut les amis, c'est Yom Riker. Allez, on se retrouve sur Card Blitz, Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, hein, on va s'intéresser au deck building. Hein, comment construire un deck? Vous allez voir qu'il n'y a rien de plus simple. Hein, il y a quelques petites restrictions, hein, malgré tout, hein, si on utilise un général. Mais vous allez voir, c'est très simple. Alors, on y va. Alors, c'est parti. Alors, c'est un petit peu lent. Voilà, ça arrive. Alors ce que je vais faire par contre, ça, ouais, ça je vais le, en fait, voilà, je vais le remove et on va en reconstruire un ensemble. Alors, j'ai construit déjà un deck allemand, voilà, hein, et là vous avez vu que dans ma première vidéo hein, de présentation, j'avais réussi à débloquer en fait les généraux. Hein, donc là je me suis fait un petit deck avec Rommel. Voilà, il a un pouvoir qui est très puissant en fait, hein, sa condition, il faudra que je possède 3 ou plus d'unités alliées sur la ligne neutre. Hein. La ligne neutre, hein, c'est la ligne noire. Vous allez voir sur le board, hein, sur le champ de bataille, c'est celle qui sépare en fait nos deux camps. D'accord, hein. Et bien sûr, si je remplis cette condition, hein, sa capacité, ça va être de buffer de 2 en défense et en attaque toutes les unités, enfin toutes mes unités, hein, pendant un tour. Hein. C'est vraiment très très fort, hein, ça peut faire la différence. Hein, on peut taper ensuite les unités adverses, hein, c'est puissant. Par contre, hein, il y a des restrictions. C'est-à-dire que si je joue Rommel, hein, ou si je joue éventuellement modèle, hein, mais Rommel. En fait, hein, je vais avoir des restrictions au niveau des types de cartes et au nombre de types de cartes que je pourrais jouer. Hein. Par exemple, si je joue lui, hein, Rommel, je pourrais jouer 7 unités d'artillerie. Hein. Je pourrais jouer 15 unités machinery, hein, c'est canon plus char, et uniquement 3 cartes event. Hein. Voilà un petit peu les restrictions. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut payer vraiment pour pouvoir utiliser son pouvoir surpuissant. D'accord. Alors, à partir de là, bah, écoutez, hein, on fait le deck à sa guise, hein, comme on le désire. On peut filtrer en bas, hein. Là ce sont les unités d'infanterie, là ce sont les unités voilà, machinery, hein, c'est char et canon, et là on a les events. On a aussi des events qui sont ici, hein, voilà, ça ce sont les cartes neutres, donc on revient au niveau des Allemands. Alors, il faut savoir, hein, qu'il y a des cartes, hein, si je prends celle-ci par exemple, hein, ce tank, hein, on peut les faire monter en expérience. Hein. Là je suis 9 sur 100, hein, donc je suis le grade le plus bas, hein, il y a le temps. C'est pour ça qu'ici, hein, il y a des petits échelons, des petits grades. Hein. Si je vais au grade supérieur, hein, je clique ici et vous allez voir que voilà, les cartes, elles ont un contour doré. Hein, ça veut dire qu'elles ont l'expérience maximum et elles ont des buffs plus importants. Voilà. Mais voilà, pour l'instant, moi, j'ai que des cartes, hein, voilà, avec l'échelon le plus bas. Donc voilà un petit peu comment construire un deck. Hein. Il faut 25 cartes, hein, je répète, hein, ça va très vite, hein, pendant une partie. Alors, on va construire ensemble, hein, un deck russe. Voilà, hein. Bon, ça je vais vous montrer, c'est très facile. Alors par contre, hein, j'ai pas de généraux, hein, dans cette nation. On fait new. Voilà, donc les Russes ils sont là, ouais, avec mes deux généraux, hein, ils sont bloqués. Hein. La condition, hein, c'est de, si je veux débloquer celui-ci, hein, il faut que je gagne 25 matchs, hein, 25 batailles, en éliminant toutes les unités ennemies. Alors je vais commencer par les cartes, par les events. Hein. Voilà, ça c'est les cartes neutres, hein. Je vais prendre celle-ci, ouais. Les potes trop, voilà, c'est pour de l'artillerie mais j'en ai pas beaucoup, hein, donc on continue, voilà, avec les Russes. Alors les events ils sont là, donc ça fait des points de dégâts, donc j'en joue 2, hein, maximum 2 cartes, hein, dans un deck, hein. Ça j'en jouais 2 parce que ça buff une unité et ça soigne une unité, donc j'en joue 2. Allez, voilà, bon, là j'ai 7 events. Je vais passer maintenant au machinery, hein. Je vais mettre 2 canons ici, le reste je vais mettre que des chars. Alors lui j'aime bien parce qu'il a mobilité, hein, il se déplace de 2 cases. Donc je, voilà, j'en mets un parce que j'en ai qu'un. Ça, ça vanguard, c'est-à-dire que ça peut bouger et attaquer dans le même tour où on les invoque. Donc j'en mets un. Ça last brief, hein, ça destruction en fait. Hein. Quand il est détruit, hein, il inflige 2 points de dégâts aux unités qui sont à côté. On prend. Alors après je vais mettre ce tank qui est sympa. Celui-ci 4, 7 pour 6, je prends ça aussi. Alors peut-être des tanks qui réparent, j'en mets un ici. Alors j'ai 16 cartes sur 25. On va aller voir du côté de l'artillerie. Voilà. Alors ça rear guard. En fait ça provocation. Hein. Je vais en mettre 2 parce que j'en possède 2. Ça diversion X. En fait c'est 2. Hein, ça pique du mana, hein, à l'adversaire et nous on en récupère 2. Donc je vais jouer. Ça provocation, je vais le jouer. Hein, c'est une petite unité sympatoche. Alors à côté de ça, une unité qui est sympa, ce sont les paratroopers, hein. Ça peut s'invoquer n'importe où sur le board. C'est vraiment excellent. Alors il me reste 3 cartes à mettre. Je vais mettre des infirmiers ici.
Ça, c'est pas mal. Ça aussi. Et ça fait un point de dégâts supplémentaire au canon. Bon, ben on y va. Au char. Voilà, on a. Ah ben, j'ai une carte en trop. Mince. Mince, mince, mince. Alors, qu'est-ce que je vais enlever? C'est le plus difficile en fait. Moi, je vais l'enlever, puis. Voilà. J'ai mes 25 cartes. On sauvegarde. Et puis, on va faire deux petites parties. Alors, vous avez bien un peu le principe, hein, c'est très simple. Hein. Il y a juste des restrictions voilà, pour jouer en général. Alors, battle. Et on va commencer avec Rommel, justement. Hein, le deck de Rommel. Voilà. Choose. Et on lance le radar. Ah, c'est un petit jeu sympa. Voilà. On demande juste ça. On s'amuse. Les parties sont fun. J'en demande pas plus. Ouais. Allez, voilà. Adversaire est trouvé. Donc, cette fameuse ligne hein, neutre, elle est ici au milieu. Donc, là, tirage au sort. Hein, voilà. Il lui fait 5, mais il va commencer. Hein. Voilà. Je fais 3. Donc, là, mon HQ hein, est représenté par Rommel. Hein. Lui, il n'a pas de général, ça se voit. Alors, brouillard de guerre. Hein, je vois pas où sont ses troupes pour l'instant. Un deck, hein, c'est 25 cartes. Hein, j'en ai 5 dans ma main. Donc, il me reste 20. Ça, c'est l'initiative. Hein, c'est le mana. Donc, ça fait des points de dégâts. Ok. Ça répare. Ça, il n'y a pas de capacité particulière. Ça fait plus de dégâts face à l'infanterie. Et ça soigne. On a une bonne main. Donc, je vais jouer ça. Voilà, ça va effacer le brouillard de guerre sur ces trois cases. Donc, faut être assez rapide en fait. Hein. Ça, c'est fin de tour le buzzer. Hein. Faut être assez rapide. Hein. Si je veux utiliser le Rommel, hein, faut que je possède en fait. Hein, faut que j'ai 3 unités hein, sur la ligne neutre hein, pour pouvoir les buffer. Allez. J'ai que des grosses créatures, ça qui est un petit peu chiant. On va jouer ça quand même. J'ai 5. Je vais jouer ça. Et toi t'avances. Voilà. Je vais pas attaquer. Je lui donne l'initiative. Ah, il prend une place. Ah, il détruit en plus mon unité là. Ouf. Ouais, je suis pas prêt d'avoir la ligne neutre. Hein. Bah, lui il est reparti dans le brouillard de guerre. Ah, tu veux jouer à ça, mon ami? Bah, je vais jouer ça. Bah, tu vas réapparaître. Et toi, tu avances. Et je te bute. Bon, j'ai déjà unité là-haut. Bon, elle va pas être détruite comme ça. Hein. Donc, je fais fin de tour. Pardon? Oh, putain. Il m'a fait du dégât direct, je suppose. Ah, la gueule. J'ai parlé trop tôt. Ah, ça m'apprendra alors, la langue pendue. Aïe, dur. Allez. Toi, tu vas venir ici. Alors, toi, tu soignes. Ouais, tu vas venir ici. Et toi, tu vas venir ici. Ah, il est là. Il est là, le bougre. Je sais. Donc on fait fin de tour. Ah, j'espère que je vais résister pour pouvoir jouer ma fameuse carte. Ah, je vous dis ça peut faire mal. Hein. Voilà. Excellent. J'avance. Rommel, je suis là. Hop là. Et voilà. On a buffé tout ça. Toi je te bute. Ah, c'est puissant, hein. Ça vaut le coup d'avoir des restrictions, hein. Alors, j'ai quand même 9 mana à jouer en plus, hein. C'est pas le tout, hein. Donc là, je vais réparer. Ici. Je vais jouer ce tank ici. Et je vais rien faire de plus. Quoique. Ça soigne l'infanterie. Ok, et ça fait quoi? Ouais, je vais jouer ça. Allez, hop. Putain, la gueule. Là, il a répondu, hein. Oh! Ah là, il s'est rebiffé, hein. La gueule. Oh, le sagouin. Ouais, alors j'ai joué ça. Voilà, ça fait des points de dégâts. Ah, vous avez vu, hein. Je sais où il y a des unités. Hein, ici il a un tank, ou un canon. Et là, je le bute, hein, parce qu'il fait un point de dégâts supplémentaire à des unités qui sont déjà blessées. J'avance.
je joue ça ici. Je fais fin de tour. Il m'a fait moins 3 de dégâts. Pourquoi? Oh la gueule, putain. Canard, hein. Je sais jamais où est-ce qu'il est en fait, hein. On va avancer. Voilà. Ouf. Il a pas de protection, lui. Je serais tenté de le buter. Ça fait 4 points de dégâts, ça. Allez, prends ça dans les mirettes. Donc là, j'ai déjà avancé, hein. Ouais. Alors. Je vais jouer ça, ici. Ça, ça médique. Ok, ça peut être intéressant. Et on fait fin de tour. Ah, j'ai plus que 9 cartes. C'est quoi ce bordel? Ça sort d'où ça? Il a deux canons ici, je suis sûr. Dans les coins là. Je suis sûr. Alors ça fait un point de dégâts sur unité qui. Enfin sur les unités qui sont sur la ligne neutre. Donc je vais le jouer. Voilà. J'avance ici. Et j'attaque ici. Ah, un canon. Je vais le mettre là. Et ça c'est génial. Parce que c'est voilà, c'est des paratroopers, je les mets où je veux sur le plateau. Je mets ça ici. Ça, ça fait 3 points de dégâts à une unité quand je l'invoque. Ouais, je vais peut-être attendre. Je vais jouer ça ici. On va faire fin de tour. C'est l'erreur du grabuge. Ah c'est ça, les 3 points de dégâts, c'est ce temps qui me l'a fait. Hein. Oh la gueule. Oh purée. Ah bah je suis mal parti moi, je vous le dis. Alors je vais avancer. Voilà, il y a des unités qui sont là. Alors, on va les arroser. Hein. Toi t'avances. Ah les dialogues, ça fait marrer derrière. Ça c'est pas GGN quand même. Je vais mettre un autre canon ici. Et... Ouais, j'ai quasiment plus de cartes dans ma main. Ouais, je suis mal barré. Hein. Mal barré, mes amis. Flank Strike. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, il avance. Voilà. Ouais. Viens, je t'attends, mon pote. Voilà, j'ai posé mon tank ici, voilà, ça va découvrir ça, et là, je tape ici, adios, là je tape ici, ah je peux pas attaquer, pourquoi? Bon. Paratroopers. Toi tu viens là. Ouais, il va venir attaquer. Non, il pourra pas attaquer mon canon. Il y a les barbelés là, il peut pas passer. Allez, tiens, pote. Allez, heureusement que j'ai mes canons. Hein. Moi, je vous le dis. Il faut jouer des unités hein, pour dissiper le brouillard de guerre. Oh putain, mais qu'est-ce qui me branle? Ouais, il me saoule. Hein. J'avance ici. Ouais, j'ai plus de cartes avec ça. Je suis bien. Hein. Pas mal. Allez, on arrose. Où est-ce qu'on arrose? Je peux pas taper ici. Ah si, je peux taper là, pourquoi? Je pensais que c'était que la moitié du... Oh, mais tant mieux, hein. Voilà, on joue ça. Bon, on joue toutes mes cartes. Hein. Et bon, lui, il a de 4-5. Pourquoi il me tue, là, ce con-là? Putain! Ah, c'est mort. Alors, le problème c'est que... Voilà, il va me taper plus vite. Hein. Celui-ci il a une 4, je crois que c'est une 4. Ah, il a encore une unité ici. Voilà, c'est perdu. Ah, il a bien joué hein, le mec. Hein. Ah, dur, putain, c'est une bonne petite partie, hein. Bien sympatoche. Hein.
Ah la vache! Ah, je sais pas comment il a fait pour canarder autant, mais il a bien joué. Hein. Bon, on y va, hein. On va essayer le deck russe. Bon, j'ai réussi à placer mon petit général, je suis content. Allez, on y va. Oh la gueule! Mais bon, c'est bien. Marge de progression. On va essayer d'ouvrir des petits boosters pour perfectionner nos decks, hein, et pouvoir avoir un peu plus de répondants. Allez, le board est rouge maintenant. Alors, est-ce que je vais commencer cette fois-ci? 3, 1, raté. Alors, ouais. Donc, ça c'est un tank. Ouais, paratrooper, ça j'aime bien. Ça c'est un tank qui n'a pas de capacité. Ça garde. Ça buff une unité et ça lui donne garde. Et ça bouge de deux cases. Bon, bah c'est un bon début. Alors. Bon, bah, on va mettre ça justement ici. Voilà, on fait 20 tours. Donc éventuellement, je peux aller directement ici. Ah putain, mais faut que je ferme ma gueule, hein. Chaque fois que je dis quelque chose, derrière, je me prends le coup de sable dans la gueule. Alors, on va jouer ce tank ici. Alors, qu'est-ce qui va apparaître? Rien du tout. Tant mieux. Et on va pas s'enflammer. On va essayer de conserver nos petites cartes. Ah, mais il est agressif aussi, lui, hein. Il n'a pas Rommel, c'est déjà bon signe. Bon, je vais te buffer, mon ami. Là, et je peux te buter. Voilà, je peux plus bouger. Une fois qu'on a attaqué, on peut plus bouger. J'aurais peut-être dû avancer en fait. Tant pis. Ça va réparer. Bon, je mets ça là. Et éventuellement. Bah, j'ai plus de mana. Alors j'espère qu'il va pas me rattaquer derrière. Qu'est-ce qu'il m'a joué là? J'ai fait un truc furtivement là. Bon, ça fait des points de dégâts là. Ça fait 3 points de dégâts à une unité. Donc on va avancer et on va voir ce qu'on va découvrir. Pas grand chose. Alors, je vais mettre justement les paratroopers ici. Hein. Voilà. Il y a de la place pour eux. Et j'ai 3. Qu'est-ce que je peux jouer? Je vais peut-être jouer ça ici en fait. Hein. S'il avance ici, je crois qu'il a peut-être une unité ici. Hein. Il devra attaquer ici. Fin de tour. Ah ouais, ça y est. Voilà. Il est obligé d'attaquer ici. Là dans l'os. Et voilà. Et derrière, j'ai fait des points de dégâts. Ça me plaît bien. Allez, mon ami. Voilà. Allez, je te bute. Adios. Là, je vais venir ici et je te bute. Là, je te bute. Ah, ça me plaît quand ça se passe comme ça. Moi, je vous le dis. Toi, tu vas avancer. Alors, j'ai 6. Encore des paratroopers, mes amis. Et je joue ça ici. Oh la gueule! Moi, j'aurais peut-être pas dû jouer ça ici. Mais bon. Ah, dur. Allez, fin de tour. Allez. Attention, hein. Là il y a de la défense. Putain, lui c'est une sacrée carte. Hein. Ah, c'est 3-5. Ouais, il m'a buté ce con. Oh la vache. Ouais, hein, je vais me fracasser les dents hein, ici. Là. Ouais, les points de dégâts, ça peut être sympa. Voilà. Attaque est là, on va avancer ici. Et j'attaque ici, je mets la pression. Ouais. Autant attaquer hein, derrière, de toute façon, faut qu'il me bute. Hein. Fin de tour. Ah, j'aime bien ce jeu. Il y a de la tension. Oh la vache. Ah là, ça perd fort. Hein. Il n'y a plus personne. Alors, j'avance. Ça répare. Ça provocation. On va mettre juste derrière. Et on va jouer ce tank ici. Allez. Fin de tour. Voilà. Ouf, je suis un petit peu cerné là. On va essayer de s'en sortir.
j'étais obligé de taper ici un unité avec provocation. Pas si mal. Voilà. Je vais soigner. Je vais avancer. Je vais passer par le flanc gauche. Du moins. Et là, je vais mettre un canon ici. Donc, je vais l'attirer vers le flanc gauche. Et je vais jouer cette unité ici. Bah. Voilà. Il mord à l'hameçon. Mon ami. Ah, je vais poivrer. Tu vas voir. Ça fait quoi? Ouais. S'il est détruit, il donne plus en attaque à tous mes canons. Et mes tanks. Donc ça peut être sympa. Je vais jouer ça ici. Ok, qu'est-ce que je peux jouer? Ouais, bon, j'ai déjà tapé. Là, toi tu viens là, et je vais jouer ici des infirmiers, et je vais lui piquer du mana. Voilà, je vais piquer deux mana, j'en ai récupéré deux. Oh la vache, il a zigouillé mon canon. Chaud, putain. Oh la vache, canard de partout l'en pas fait. Hein. Alors, je sais plus où sont mes unités, moi je suis un peu perdu. Ouais. Ok. Ça, ça buff. Viens ici. Voilà. On va jouer un autre canon ici. Toi, je t'attends. Je peux rien jouer de plus. Là, je peux buffer. T'as pas déjà attaqué, hein. Tu viens ici. Tu viens ici. Il n'a plus de cartes, il est mal. Ok. Ah. Il est vraiment mal paré. Hein. Tu viens ici. T'attaque. Tu viens là. T'attaque. T'attaque. On avance nos pions. Soigner. Ou la plus carte passons. Hein. Voilà, on fait un tour. Et au tour prochain, je butin, je peux buffer. Ouais. Un sursaut d'orgueil. Et voilà, c'est victoire. Bon ben voilà, hein, c'était une petite présentation du deck building. Ah, bah, écoutez, hein, c'est très simple. Hein. On peut faire ce qu'on veut. Si on joue un général, il y a des restrictions hein, au niveau du nombre et de type de cartes qu'on peut jouer dans un deck. Un deck, c'est 25 cartes. Ah, les unités, elles peuvent gagner de l'expérience hein, au fur et à mesure qu'on possède des cartes. Donc voilà, c'était Carte Blitz. Hein, un petit j'aime si vous appréciez cette vidéo. Hein, et on se retrouve prochainement pour d'autres jeux ou Carte Blitz. Ciao, portez-vous bien.